Mongols envahit notre île. Ils sont cruels. Impitoyables. Infatigables. Nous sommes 80 samouraïs contre toute une armée. Nous luttons pour stopper l'envahisseur. Aujourd'hui, je meurs pour mon peuple. Ils doivent être des milliers, mon oncle. Nous affronterons la mort. Et nous défendrons notre île. Tradition! Courage! Honneur! C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes! Nous sommes les guerriers de Tsushima! Nous sommes des samouraïs! Oh! Seigneur Adachi, allez et brisez leur volonté. Viens! Envahisseur, envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter. Nada, Jinnida. Je suis Harunobu Adachi, descendant du légendaire Yoshinobu Adachi. Seigneur Sakai, quitte à le payer de nos vies. À vos ordres, Seigneur Shimura. Samouraï, nous devons pourchasser le chef mongol. Allez, tous avec moi. En voilà encore d'autres. Anéantissez-les. Yeah!
reste plus que nous. Une seule voie s'offre à nous. Trouver le chef mongol et l'éliminer sur le champ. Je combattrai avec vous jusqu'au bout. Je sais. Cousin de Kubilai, petit-fils de Genghis. Mon frère, vous êtes un guerrier. Je sais ces choses. Toute votre vie, vous vous êtes entraîné et vous avez remporté des batailles que certains avaient pensé perdues d'avance. Pendant que vous aiguisiez votre sabre, savez-vous comment je me préparais à ce jour? En apprenant. Je connais votre langue, vos traditions et vos croyances. Je sais quel village soumettre et lesquels brûler. Je vous repose la question, samouraï. Allez-vous vous rendre? Suis-je arrivé ici ?
qu'un s'est donné du mal pour me maintenir en vie. Pas d'armes, que des réserves. Je ne dois pas m'arrêter. Des Mongols. Quelqu'un m'a sauvé et m'a caché ici. Il a peut-être mon épée. D'affûter sa lame. Un guerrier ? Endommagé. Mais c'est toujours mieux que rien. Il n'est pas là. Je vais m'en occuper. Je t'en prie, cache-toi. Ne me faites pas de mal. Non. Chiro Dominique. Rie. Je t'ai ri. Pitié, prenez-la. Qui es-tu ? Je m'appelle Yuna. Tu voulais ton sabre ? Suis-moi. Ai-je dormi longtemps ? Les Mongols ont eu le temps de conquérir la moitié de l'île. Yuna. Chut. Attention, baisse-toi. Allons-y. Par ici. On ne peut rien faire pour elle. Mais je peux sauver les autres. Shimura était avec moi sur le champ de bataille. Le Jito, oublie-le. Yuna, attends. Le seigneur Shimura est mon oncle. Tu es Jin Sakai, le neveu du Jito? Il faut que je sache. Est-il en vie? Je pense, oui. Les Mongols l'ont fait prisonnier. Où l'ont-ils emmené ? À l'est, le long de la côte. Vers le château de Kaneda. Ils doivent le retenir à l'intérieur et célébrer leur victoire. Je pourrais les prendre par surprise. Ils te tueront. Ou bien je sauverai le seigneur Shimura. Et l'aiderai à repousser les Mongols vers la mer. Ils pourraient joindre le shogun, demander des renforts. Je n'ai pas soigné tes blessures pour te voir courir vers la mort. Pourquoi m'as-tu sauvé ? Je ne pouvais pas te laisser mourir. J'ai besoin de ton aide. Le seigneur Shimura pourrait aider l'île entière. Il est la seule famille qu'il me reste. Allons-y. Assassin.
pour lui. Attention. Des pillards, lourdement armés. Ils parcourent toute l'île à cheval. Ils capturent les forts, et par ici. Allez. Garde. Passons par les toits. Tu grimpes sur les toits, tu pilles les champs de bataille, tu es une voleuse. Quand j'ai besoin d'une chose, je la prends. Comme mon katana. Je l'ai changé contre de quoi manger et des soins. Comment ? Ne t'en fais pas. On retrouvera l'acheteur. Et ton sabre. La route va être longue. Prends tout ce que tu peux transporter. Nous sommes chez quelqu'un. Quelqu'un qui ne reviendra pas. L'homme à qui j'ai donné ton sabre habite là devant. Taureau. Oh non, c'est chiant. Monte la garde. Je fouille la maison. Ils vont payer pour ça. Il a peut-être caché ton katana à l'intérieur. Il doit être là. Je suis Jin Sakai, neveu du grand seigneur Shimura. Et je ne suis pas un lâche. Ton ennemi n'est pas de taille contre toi. Mais tu as encore quelques lacunes. Je m'entraînais. Avec le sabre de ton père, l'épée du clan Sakai. Elle a sauvé des vies et gagné des guerres. Qui t'a fait cela ? Personne. Je vais t'apprendre à savoir te défendre. Je sais me battre. Pour manier l'épée, tu dois d'abord maîtriser tes émotions. Je peux le faire, mon oncle. Montre-moi. Voyons si ton entraînement porte ses fruits. Essaie de me toucher. Oui, mon oncle. Attaque-moi, je suis prêt. Essaie de me toucher. Bravo. Si tu t'étais battu ainsi, ton adversaire ne t'aurait pas infligé toutes ces blessures. C'était pas un combat à la loyale.
Imagine qu'il revienne pour achever son travail. Et qu'il soit prêt à recourir à tous les coups bas. Comment te défendrais-tu? Il est fort, mais je suis rapide. Je resterai hors de sa portée, j'attendrai qu'il s'épuise. Puis je l'achèverai d'un seul coup. Bien. Un samouraï doit toujours se battre avec patience et discipline. Même lorsque son adversaire a recours à la ruse. Je m'en souviendrai, mon oncle. À présent, essaie de percer ma défense. Montre-moi que Jin Sakai est un guerrier de grande valeur. Brise ma garde d'une attaque puissante, puis frappe rapidement. Assez! Je me rends. Vous me laissez gagner. Tu te trompes. Si tu maniais une vraie épée, je serais mort. Vraiment? Jamais je ne te mentirai, Jin. Changeons d'exercice, essaie de bloquer mes attaques. Je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Bien bloqué. J'ai mal. Pouvons-nous faire une pause? Nous n'en avons pas terminé. Redouble de volonté et fais taire la douleur. Bien. Maintenant, je vais t'apprendre à parer. Attends que je prenne l'initiative. Quand je frappe, bloque mon attaque. Belle parade. Tu dois parer avant ma frappe. Ne bloque pas trop tôt. Bonne posture, Jin. Tu t'améliores. Vous semblez fatigué. Il en faudra un peu plus pour me couper le souffle. À présent, voyons ce que tu vaux face à une lance. Évite ma lance, puis enchaîne avec une contre-attaque. Après une attaque, je suis vulnérable. Excellent coup. Jolie esquive. N'oublie pas, esquive, puis contre-attaque. Tu disposes d'un court moment pour frapper. Profites-en. Tu vois, il n'existe ni arme, ni guerrier que tu ne puisses terrasser. Merci pour ces leçons, mon oncle. Nous n'avons pas encore fini. Jin Sakai, me ferais-tu l'honneur de te battre contre moi? Je ne voudrais pas vous blesser. Puisque tu es si confiant, rendons les choses intéressantes. Le premier qui arrive à 5 touches choisit le menu. J'espère que vous aimez le poulpe. Très bien, Jin. Tu ne manques pas d'adresse. Bien joué, mon oncle. Avant d'aller manger, j'aimerais te poser une question. Pendant des générations, nos deux familles ont vécu selon un code. Dis-moi les valeurs qui nous guident. Loyauté envers notre Seigneur. Maîtrise de nos émotions. Et... Oui, tu le sais. L'honneur. Pour être brave au combat et honorer l'héritage du clan Sakai. Ce sont les mots de ton père. Que représente l'honneur à tes yeux? Eh bien... C'est protéger les gens. Ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu as très bon cœur. Mais avant tout, nous devons montrer que nous servons notre Seigneur avec courage, intégrité et détermination. Ça semble facile quand vous le dites. Rien n'est jamais facile, Jin. C'est le fardeau que j'ai choisi de porter. Mais nous devons montrer l'exemple à notre peuple, en respectant notre code sans faillir, ainsi que nous-mêmes. Voilà le vrai sens de l'honneur. Arnotter Samurak!
as retrouvé ton sabre? Où puis-je trouver un cheval? Les écuries ne sont pas loin. Par ici. Des cavaliers. Il y en a partout sur l'île. Où sont les écuries? Derrière la ferme qui a pris feu. Suis-moi. Nous pourrions nous approcher, leur trancher la gorge et les tuer sans un bruit. Mais sans honneur. Je ne renierai pas le Bushido. Je t'attends, envahisseur! C'est proche. On ne sauvera pas tout le monde. J'en ai assez de fuir, et je peux enfin aider. L'idiot! D'autres gardes? N'en laisse aucun s'échapper! Merci, monseigneur. Il disait qu'il n'y avait plus de samouraï. Où irez-vous à présent? Je pourrais me réfugier au Temple d'Art. Bien. Évitez les routes. Et protégez votre fils à tout prix. Tu as risqué ta vie pour eux. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et je... Trop des nôtres sont déjà morts. D'autres gens ont besoin de toi. Mon frère. Les Mongols l'ont emmené. Voilà pourquoi tu m'as sauvé. Taka est ma seule famille. Le seigneur Shimura est la mienne. Je t'en prie. Je veux seulement sauver mon frère. Je t'aiderai à le trouver quand j'aurai sauvé mon oncle. C'est promis. Je viens avec toi. Les écuries sont droit devant nous. Rejoignons les chevaux. Les chevaux de samouraï. Ceux qu'on n'a pas emmenés au combat. Une chance pour eux. Et nous, quel cheval veux-tu? Il te va bien. Il lui faut un nom. Kage, né dans les ténèbres. Détiennent ton oncle à l'intérieur. Les murs sont infranchissables. Nous devrons faire diversion afin d'entrer. Non. Nous entrerons par la grande porte. Khotun Khan a brûlé notre plus fine lame, humilié mon oncle, massacré les guerriers de Tsushima. Je compte bien lui rendre l'appareil. En réitérant les erreurs qui ont coûté leur vie à tes amis? C'est ce que penseront les Mongols. Mais cette fois,
Je frapperai le premier. Attends ici que j'en finisse. Je viens voir le seigneur Shimura. Cet air surpris. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Les Mongols avaient les mêmes armes à Kovoda. Continuez. Je n'ai pas le choix. Repars. Toute seule? Garde la voie libre. Nous devrons fuir quand j'aurai trouvé le seigneur Shimura. Je peux trouver des chevaux. Très bien. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Oh!
Khotun Khan! Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Jin, ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. Je vais lui montrer son neveu, brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Jin, non! Ton heure est venue, Seigneur Sakai. Soumets-toi, Seigneur Sakai. Vous trancherez la gorge. Seigneur Sakai. Jeune maître, allons-y. J'arrive, Yuriko.